Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert, comme vous le savez, et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Aujourd'hui, il est là. Il était en train d'aller à sa convocation et je l'ai... Pascal, viens, calme-toi. Tu es toujours en train de... Assieds-toi, ça va. Tu es inquiet, hein? Tu es inquiet. J'ai vu que tu as été convoqué. Ils t'ont convoqué au 7. Bialo, tu es donné. Le type là est méchant. Premier conseil. Premier conseil. Dis-lui que tu as mal aux yeux et que tu es un membre du comité central. Parce qu'ils disent que tu as été... C'est pour fausse nouvelle. Pardon? Tu nous as toujours dit que si t'arrive quelque chose, il faut qu'on aille demander à Ngongo. Ah, donc c'est Ngongo qui a organisé ta convocation. Hey, Charlemagne, la main sur le cœur. Si quelqu'un veut avoir quelque chose au Cameroun, il doit aller demander. Ce sont les ennemis du président. Masanga, tu dis que Ngongo, ce sont les ennemis du président. Explique. Hein, ils voient que le président est affaibli et tout d'un coup, ils ont organisé. Hein, c'est la guerre des réseaux. Hein, on n'était pas au courant, hein. Nous, on croyait qu'ils t'ont convoqué pour fausse nouvelle. Peut-être que l'histoire, par exemple, tu dis que tu avais vu le président Kamto en train de tchoukou un garçon et tout. Peut-être, parce qu'ils peuvent utiliser ça contre toi, parce qu'ils savent peut-être que tu avais vraiment vu la vidéo là, Charlemagne. Parce que si tu n'avais pas vu ça, c'est peut-être ça qu'ils vont utiliser. Ah, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce sont les faucons. Ils n'aiment pas qu'on dise la vérité au président. Moi, je crois que c'est les gars du RDPC. Masanga Nyamdi. Je crois que le RDPC, les gars du RDPC n'aiment pas beaucoup les biaïstes. Et toi, tu es un biaïste, non? Ah, c'est moi qui ai compris. Mais oui, c'est moi qui ai compris. Ah. Ce sont les faucons, en fait. Ils volent. Ils mentent, ils pillent, ils font même la guerre et ils mentent au président, ton maître politique. Ah non, ne dis pas ça. Ça va, tu dramatises. Ils vont te tuer comme à Teba Yéné. Ah ah. Tu dis que c'est... Sanga Nyamding, fais attention. Hein. Comme tu parles. Ne pas parler comme ça devant... Bialo, Dieu donné, hein, là-bas au 7, là. Parce qu'il risque d'oublier même que tu es du comité central, que tu es... Non. Et puis après, moi, j'ai une idée simple. Dis que tu avais fumé le banga. Si quelqu'un t'accuse de quelque chose que tu ne comprends pas, première chose, tu dis que tu avais fumé le banga. Par exemple, ça marche. Ça marche à 100%. OK. Hein? Mais je te souhaite vraiment... Non, tu vas revenir. Tu as peur. Tant que ton maître politique est vivant, tu n'as peur de rien. Oh! Mais ça c'est bien, Pascal. Ça c'est bien. Écoute, tu ne vas pas arriver en retard quand même, non. Parce que si tu arrives en retard à Bosset, ils risquent de te fouetter simplement parce que tu es arrivé en retard. Mais ensemble, non, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, Pascal. Va, il faut vite partir. Hé, les enfants, c'est la guerre des réseaux. En ce moment, même dans notre propre réseau, on est attaqué. Donc, pour tous ceux qui veulent travailler pour la clinique, partagez. C'est ça le plus important. Premier travail, partagez. C'était papa.